message parce que... Allez, salut à tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. L'épisode 18, 38, 48, 58 ou peut-être le 108, je ne sais pas. Sur Valérie Profonde, je suis en compagnie de The Gamer. Salut, salut. Moi, je te vois dans ta petite cabine. Oh, bah, je te vois aussi. Ouais, ça... À toi et à tout le monde. Et t'as des... qui s'amuse à t'écrier. Salut à toi. Salut à toi. Donc aujourd'hui on est parti pour faire du labour. Donc The Gamer et moi on est parti. On va y travailler dans notre coin, mon petit à manger. Bah avant de venir nous rejoindre, aller au champ de patates et au champ de le 11 et le 23. Comme si ça on a le temps juste de labourer. Si c'est les champs en question, ça nous arrangerait. 11 et 23. Vous voyez très bien que Wallon ne conduit très mal. Bah, genre, quoi, je conduis bien comment tu parles. Tu regarderas ma vidéo, tu zigzagais sur la route. Bah non. Bien, moi, je reste bien le, du on côté. On se fait le 11 d'ailleurs. Pardon ? On se fait le 11. Mais je pense qu'il a déjà été épandu le 11, le 23 à les faire en premier. Oula, 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 le bruit que ça fait. Qu'il y a... Non, il est déjà épandu en fait. Non, parce qu'en fait, le bruit de moteur qu'il y a à cause des lacs qu'il y a, ça fait. Ah ouais, ouais, dans le. Ouais. Moi j'ai mis du bon rap. Allez. Bon rap allemand dans le tracteur. C'est parti, par contre, elle est dépliée la machin. Non, elle est pas dépliée. Comment tu fais pour la déplier? Bah, t'appuies sur X. Ah, bah, ce que j'ai fait, regarde. Voilà, là, là, ah ça... ouais, là, maintenant. Ah ouais. Sinon, j'aurais envie de demander un mot sur. Oh putain, Oh là là, j'ai lagué devant le. Devant le, l'hôtel, entre guillemets. Un mot sur notre petite intro, peut-être. Merci, ouais. Wallon, pour ce très bon tracteur. Non, mais bah, je sais pas, vas-y, tu vas expliquer. Je suis à fond de balle, Wallon. Bah, moi, je dirais que. Sans traîner en longueur, qu'on répond à un troll par le trollage. Voilà. Ouais, on va dire ça comme ça. Je vais pas vous expliquer toute l'histoire, si vous voulez avoir l'histoire, elle se lag à mort. Et Wallon ? Oui, je t'écoute. Sur les 230 chevaux du casse, tu m'en aurais pas volé 229 ? Je retrouve... Attends, descends ton bordel. Je te promets que j'avance pas. Descends. Par contre, moi je suis à 100 MS là quand même. Hein. Mais ça c'est toi. Fonce. Ah mais je dois aller où au fait parce que. Je dois aller au champ 23, au champ de patates. En même temps c'est normal, t'as pas mis les 4 roues aussi. Bah voilà, maintenant il avance au bordel. Oh, voilà, bah attends, je vais prendre le classe. Non ouais. Alors. En vue intérieure ça va déjà un peu mieux. Mais par contre le bruit que le tracteur fait c'est horrible. Mais par contre la texture de la charrue putain. On dirait pas. Par contre, t'as débridé le 936 ce volant ? Je sais pas, j'ai peut-être mis un turbo. Non, c'est pour faire du 250 km/h. Oh putain. Je sais pas ce que t'as mis dedans. Hein, mais... Il a la pêche, on va dire. Hein. Putain. Après, que pour conduire un tracteur, je suis obligé de passer un stage de pilotage. Hein. Après, un truc de pilotage d'avion. C'est ça quoi. Ouais. En fait, il se commande avec des joysticks. Même avec ma grand-mère la semaine dernière, quand j'étais faire du karting, elle roulait pas comme ça quoi. Par contre, moi, c'est vrai que je fais des pics à 100. Il me semble avoir vu 180, je suis pas sûr. Bah, moi, j'ai fait du 18 000 MS. Eh, mais sérieusement, les. Enfin, Flo, peut-être que c'est les bots et tout, mais à dire, je comprends pas sérieusement. Ah, mais bien. Putain, il a déjà été épandu le champ là-haut ici. 23 aussi ? Ouais, le tracteur il glisse. S'il a déjà été épandu à la rigueur. Bah, en fait, là on commence par le 30. On laboure peut-être là pour ce moment, mais bon, comme ça on tourne dans le carré. Oh putain. Venez faire le 31, alors c'est pas grave, vous déchaumez, on labourera pas sûr. Oh, le tracteur, comment il glisse à mort. Ah, mais. C'est comme je suis ça, en diagonale avec. Le 31, c'est normal, ça monte un peu. Ouais, le 31, ouais. Non, non, mais sur le plat, hein, je suis arrivé au bout du champ. Hein. Oh là, Skrillami, il a arraché le poteau de la tech. Bah, ouais, parce qu'en fait, j'ai la carte. Ça y est. Ça y est, lundi ils vont faire grève. Ah non, lundi c'est congé. Non, ils vont faire grève mardi. Vous voyez, Wallon il tire très droit avec ses charrues. Mais en même temps, moi je pars en diagonale aussi. Waouh ! Oh le bordel ! Je t'ai vu glisser, mais regarde je suis en diagonale là, c'est tout de moi ouf. Moi aussi. Oh, regardez ça, c'est énorme. Je pense qu'il n'y a pas la bourrée longtemps, Wallon, à mon avis. Si. Moi le classe action il tient déjà mieux la route que son bon son classe. C'est toi qui me l'as passé, ton truc. Ah bah oui, truc. C'est bien ce que je dis. Oh, regarde, consomme 936. Ah ouais, j'ai il consomme un peu. Avec, j'ai déjà utilisé 38. Et voilà, regarde comment je charrie de loin. Ça, c'est à cause des pointes à 250. Hein. Ah oui. Ah ouais, putain, c'est du kérosène que tu mets dans ton bordel ou quoi? Je sais pas, c'est à toi, hein. C'est ton tracteur, c'est pas le mien. Et voilà, regarde ici, c'est énorme. Il a le mode labour ou moins il se fout dans le créneau? Non, non, il a pas le mode labour. Ouais. Le mien, maintenant, il glissera plus parce qu'il est dans le créneau. Oh, mais par contre, oh putain.
Regarde, regarde. J'ai l'impression que le 950 a la roue avant qui est dans le créneau, mais la roue arrière, elle veut pas se mettre. Je pense que cet épisode-ci, je vais pas le faire à 60 FPS, je vais le faire à 50. Je t'ai vu à dire que t'étais planté ou quoi. C'est énorme, ah ouais. Le tracteur il va te traverser. Sérieusement, j'ai un problème là, les gars, le tracteur il a été mal codé ou quoi. J'ai la roue avant qui a le mode la bourre, mais la roue arrière ne l'a pas. Ça vient de toi, parce que moi ça marche très bien en solo. Peut-être ta charrette qui est solo, ouais. Mais en multi, je sais pas, j'ai la première fois que je le teste en multi. Mais il est franchement bien ce casque quand même. Par contre, tu crois que si je. Allez, si le OBS est censé enregistrer à 60 FPS et qu'il enregistre à 50, normalement tu vois des saccades. Donc si je le baisse à 50, on verra plus les saccades, non. À mon avis. En même temps, non, okay. Toi tu t'en fous, moi. Si OBS il enregistre en 60, tu l'as converti en 30, il n'y aura pas de saccades. Hein. À mon avis, si. Si, ben non, j'ai déjà fait le test. Je vais le remettre à 50 pour voir. Ça veut dire que là t'as arrêté de capturer là. En fait, non, encore. Oh non, quand t'auras fini le champ, il faudra m'acheter un autre tracteur parce que celui-là il arrache ses triples. Il fume noir. En fait, il fume même plus noir, il fume bleu. Voilà, là je lag plus. Enfin, je ne lag plus en vidéo en tout cas. Par contre, moi, tu veux qu'on fasse le champ 31 avec toutes tes bottes? Tu passes à côté. En fait, non, je pense, en fait, c'est vraiment le jeu qui fait n'importe quoi parce que là. Là, maintenant que j'ai mis à 50 FPS, eh ben, je suis en dessous des 50. Alors qu'avant, j'étais au-dessus, tu vois. C'est vraiment du foutage de gueule. Qu'est-ce que Gamari par encore quand même? Attends, mais prends le 1050 alors. Ouais, non, le 1050 c'est trop gros. Bah, ouais, mais ce gamer il faut savoir alors. J'ai une 4 socles. Bon. Ouais, c'est vrai, une 4 socles avec 500 chevaux, ça va quoi. Tu veux pas non plus un Terratrack. Mais mec, je sais pas qu'est-ce qu'il fabrique, il 230 chevaux, il râle, je lui donne 500 chevaux, il râle encore, et il faut quoi, il faut un quadrac, deux quadrac ou quoi? Moi, à 300 chevaux, je dirais pas non. Non mais allez, vas-y, prends le 1050 et puis c'est réglé. De toute façon, on est en déficit là, on est à 87 000 €. Ah merde! Putain, non seulement je lag, mais en plus j'arrache des poteaux, des clôtures électriques. C'est comme si t'avais ça en réalité, tu sais. Salut Flo! Yo! On s'est tous klaxonnés en même temps, quoi. Ouais. Non mais je sais pas. T'as combien toi, The Gamer, tu lag toi? Je suis pas encore arrivé une seule fois au champ. Bah ouais, je sais pas, et avec ses FPS l'autre, il me travaille pas. Toi, travaille pas! Chômeur. Si t'es champion, appuie sur. Ah putain, tu me demandes de venir travailler ici, tu m'étonnes que je vais laguer moi. Ouais, ça va, tu vas pas me dire. Mais si tu passes pas comme Skrillium il l'a fait, tu le suis à droite. Hein. Chômeur, si t'es trop con, appuie sur. Il est content. Il est content, ouais. Le petit Zegema, il est content. Hop là, on va se mettre un peu en vie intérieure avec le classe là. Alors, B. Petite mort raptor, impeccable. Hop là. Il a du mal à remonter. Hein. Hop là. Combien de chevaux il fait le 950? 300 ou 400. Non, 360. 350. Fais pas 410 chevaux. Non, mais ADR 360, ça vaut pas la peine, tu sais, de dire ça. Tu sais, 350, ça suffit. Hein. Il fait du 410 chevaux. On va dire que c'était drôle. Mais on va dire, hein, on va dire. On va dire, ouais. Oh, ça va, hein, on peut plus s'amuser. Non, parce que c'était pas drôle. Oh, putain, par contre, j'ai aucune idée de comment on enlève les rouges. Je vais enlever la TH un peu. Là. Hop, voilà. Par contre, ce qu'il y a de bien, et ça j'avais complètement oublié, c'est que quand tu abaisses le truc, il te la réactive. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que quand... Ouais, par contre, il y a des tâches. Quand il y a des tâches sur le champ, comment ça se fait ça? C'est les lisiers ça. Quand tu relèves le truc, ça veut dire qu'il te voulait s'allumer, ça ne consomme plus. Oui, ça va, c'est bien ça. T'as l'autre, il a laissé sa mort raptor au fond du champ. Je cherche comment on enlève les rouges jumelés. C'est avec le contrôle IC. Je suis en train de dire, ce gamer, j'ai beau chercher dans tous les sens possibles. À chaque fois que tu parles, j'ai vraiment l'impression que tu dors. Non. Je te jure. Mais bordel, pas possible. Putain, j'ai l'impression de la bourrer comme un gros chien. Pas envie d'être plus con que déjà. Comment on enlève ces putains de rouges? Par contre, je te préviens, Wallon, tes ballots, je vais les brûler moi après. La merde, moi j'y vais. Qu'est-ce avec. Qu'est-ce que tu veux avec le ballon?
Ça va pas être joli à voir. Hop mais là, bon. C'est parti. Oh, la synchronisation parfaite. Ouais, j'avoue. Bah, hein. Pas ADR The Gamer, putain. Comment j'ai la bouée. Tu viens avec les rouges jumelés. The Gamer, putain, ADR, quoi. Eh, vas-y, Skrillam Rocks aussi, putain, moi aussi, Mister Wallon, je m'emmerde. Oh, mais j'ai l'impression de la bouée comme un gros schneck, là. Non, ben, j'avoue, c'est, on s'est bien croisé, bien proprement et tout. Ouais, sans gêner. Parfait. Ah, les vues intérieures. Waouh! Ça, vous en sortez, les gars? Ouais. Je vais juste rattraper un peu le coup là-bas plus loin. L'autre qui arrive à fond de balle avec ses rouges jumelés. J'arrive pas à les enlever, ça. Attends, descends, je vais les enlever. Attends, je vais accrocher dessus. Par contre, est-ce qu'on lag tant que ça sur le 2013 avec la Belgique profonde? Il me semble pas. Hein. Non, non. Bah non, mais c'est FS15. Bon, tu descends ton bordel, ouais. C'est FS15 ou c'est Frabel qui a mal converti la map? Non, c'est FS15. Et Frabel, et Verigame. En fait, un petit peu pour tout le monde. C'est FS15 tout court, le jeu il est tellement pourri que... En soi, c'est aussi de la faute à Wallon. Oui, c'est Wallon, voilà. C'est de ma faute, bah ouais, c'est de ma faute. Bon, tu montes dans le 1050. Bah oui, j'arrive, je suis là. Comment tu les enlèves, alors? Il me semble que c'est ça. J'ai essayé, t'inquiète. Par contre, il me semble qu'on consomme moins de lisier quand on met le culti. Ouais. Ah, il faut dire que c'est plus réduit. Ouais, c'est plus réduit, mais ouais, je pense qu'on va faire plus de surface que si... Oh bah là, on aurait déjà été faire un deuxième voyage. Sinon. Alors, Wallon. Ça marche pas, Wallon. Par contre, on dit chauffeur si t'es chauffeur, voilà. Mais on n'a jamais dit chômeur si tu chômes bien. Oui, c'est bon. Il y en a un qui a réagi, c'est bien. Merci, Flo. Non, on l'a occupé avec nos roues, là. C'est toi, la roue. C'est obligé de démonter des roues sur des tracteurs. Après, la boule, c'est la roue, tu vois. C'est la boule, qui évolue, tu vois. Bah, c'est toi et toi à faire ton saumon, toi, putain. La boule. Oh, le bordel qu'il fait, par contre. Ah, ouais, là, bah, là, et là, si tu me dis que t'avances pas, mec, je comprends plus rien. Je fais du 16. Bah, mets tes 4 roues. J'ai tout là. Ah bah, et moi je fais du combien? Je fais par contre, du... ta pile de ballon, tu vas en faire quoi en fait? Je fais du 15 aussi moi. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais peut-être encore mettre stocker un ou deux arcs et ça et puis vendre le reste. Hop là. On va vendre le reste. Je pense qu'on fasse ça en vidéo avec le plateau. Hein. Moi, si vous laguez trop, on fera ça en vidéo. Et c'est vrai qu'il gueule mon action en fait. Hop là. Il gueule le mien aussi. Franchement, l'hydraulique est vachement bien faite sur le classe, elle est bien coordonnée avec la charrue. En fait, moi quand je suis bas, tu sais, quand j'ai le relevage avant levé, j'ai la masse et elle frôle le sol limite. Ouais, elle est beaucoup trop bas le relevage. Non, ça, mais c'est vrai, ça. Moi je trouve que franchement, parce que tu sais, des fois quand t'accroches une charrue haute, foncièrement parlant, t'as l'hydraulique, tu vois, elle est pas coordonnée par rapport au tracteur, ça veut dire quand t'as le tuyau d'hydraulique de l'outil qui passe à travers tout. Tandis que là sur le classe, on dirait qu'il se lit bien, regarde. Alors, est-ce que. Voilà, c'est impeccable dans les tuyaux et tout. C'est pas grave, c'est n'importe quoi. Chômeur, si tu chômes bien. Ah, si tu déchômes bien. Gagne des aides, chômeur, si tu gagnes bien. Ou alors, non, tu préfères chômeur. Oh non, il va pas commencer, merde, hein. Attends, chômeur, tu gagnes bien. Il va pas commencer, là, avec son klaxon pourri, là. Mais t'avances pas aussi! Ah, je fais du 15 moi! Oh, par contre, comment tu glisses hein, tout le temps? Par contre, je voudrais faire une minute de silence à la connexion de Sticky67. Bah, fais ta minute tout seul. Oui, parce que à la base, Sticky devait semer derrière, mais il a crash malheureusement. C'est vrai que je suis en train de me dire maintenant, je pense que Sticky et Flo peuvent m'appeler mon saumon d'amour. RIP à Sticky. C'est vrai. Ah ouais, ton saumon d'amour? D'ailleurs, t'as été le faire ou pas? Oui. Il était bon. Hein. Est-ce qu'on peut éviter de s'étayer sur ce sujet, s'il te plaît? Alors, des saumons, on t'empêche combien à peu près tout dépend si la pêche est bonne. C'est que ça. Je ne pas des chours. Hein. Il y a des chours, ça va bien. Il y a des chours, ça va pas. Hein.
Ah ouais. Les Japonais vont se demander, mais pourquoi ils parlent de saumon? Oui, pourquoi ils parlent de saumon? On en touche un mot? Non. Ah. Bon, bah on en touche deux alors. Ça a déjà assez la loose comme ça, donc c'est bon, fermez votre gueule. Donc on sait quoi faire si ADR un jour nous fait chier. On sait quoi faire pour t'emmerder aussi, t'inquiète pas. Va. Ça va? T'inquiète pas, j'ai même plus de dossiers sur toi que toi tu n'en as sur moi, tiens. Non. J'ai été fouillé dans ta vie, j'ai demandé au FBI ton dossier. On dit que t'avais déjà fait 3 ans de prison. Ouais. T'as volé un saumon. Ah putain, qui est con. T'as plus de. Eh, ça va, tu veux foutre la merde là, hein? Allez, vas-y, étale tout là! Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire, hein, t'inquiète. Par contre, moi je ne pose pas de lapin, moi je pose des saumons. Ouais. Ça volait bas. Je relève mon culti d'ailleurs parce que ça vole tellement bas, je relève mon culti, ça va passer en dessous. Ouais, fais gaffe parce que la masse voilà. De gamer est en train de toucher le sol avec ta blague. Ouais, j'avoue que je suis dans le rang de la chienne. Putain, mais sérieux, j'ai l'impression de la bourrer comme un chien là. Ah bah tu la bourres comme un chien. Mais regarde, ça va tout traviole. Il la bourre comme une boule. Ah, c'est pas la boule. Tu veux qu'on change de chariot ou non? Je te passe comme une petite 4 socles. T'as vu que c'est dur de charger avec des chariots comme ça, bordel. La vie est dure, hein. La vie est dure. La vie est dure. Comme un slip qui est tendu. Oh la vache. Oh le coup de lac. Ouais, pareil. Ah, c'est un sauvegarde. Ou alors c'est parce que quelqu'un passe à côté des potes. Je crois que c'est gamin plutôt. Ah, vous arrivez à la. C'est la sauvegarde, mais non, c'est un lag en fait. C'est même plus une sauvegarde, c'est tellement que le serveur il a pris un coup dans la gueule. Par contre, Wallon, ce que je mets dans les dents avec le 1050. Parce qu'il faut savoir aussi, en même temps, t'as 5 champs chauds. Parce qu'il faut savoir aussi que The Gamer, bien sûr, tantôt, quand on a fait le truc à l'autre taré là, avec les bottes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que monsieur a pris l'arc-usel, il l'a planté dans le triangle, tu vois, donc bien le serveur a encore crashé. Tu vois, donc on a du corps. Non, c'est toi qui l'a réinitialisé. Hein. J'aurais pu venir pousser dedans avec le télescope. Même pousser dedans, s'il serait sorti, ça l'aurait réinitialisé. Ouais. Non, bah non, ça l'aurait pas réinitialisé si on poussait. Non. Donc, dans le coup, j'ai encore dû rouvrir la map en solo. Donc, le serveur a encore pris un coup dans la gueule. Ouais. À cause de. Ah, y a des oiseaux chez toi, Flo? Non, c'est pas moi, c'est. Dans son tracteur, c'est le saumon, non, je... dans son tracteur, ouais. Il a pris des oiseaux avec. Je peux t'assurer, The Gamer, si un jour tu veux poissonner et que ton poissonnier tu dis mon saumon il siffle, tu fais vous allez siffler dans l'ambulance par contre, hein, parce que là. Non, vous allez contre, le con qui a lâché, le con qui a lâché sa masse en plein milieu du truc à lisier. Ah, c'est The Gamer. Wallon. C'est toi, mec. Bah oui, je sais que c'est moi. Ça m'aurait pas étonné, ça. On était pressés. C'est surtout pressé. Par contre, toi, tu devrais bien passer dans une presse carrée, toi. Parce que... Dans une ronde, c'est mieux. Au moins, il est bien ficelé. Il est bien toiselé. Ouais, tu vois la toile. Enfin, comment ça s'appelle? Tiens. Je ne comprends pas ce que Wallon raconte. Pareil. C'est très beau aujourd'hui. Je ne sais même pas ce que je raconte. Fait dégueulasse, mais bon. Oh là là, je suis monté sur la masse. Je ne sais même pas ce que je raconte moi-même, alors. Faut consulter, ouais. En fait, là, ça la bourre bien, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ce qu'a disait mon ex. Elle s'appelait Ginette. Oh, je dirais pas le prénom, au cas où ça regarde des vidéos de forme. Comme ça, regardez ça. Elle reconnaîtra, big up. Ta grand-mère savait faire des bonnes tartes aux fraises. Oh non. Des tartes à la crème, c'est ça que t'avais envie de dire, des tartes à la crème. Elle s'appelait Charlotte aux fraises, hein. Ouais. Mais il paraît que les crèmes fraîches, elles étaient faites maison aussi. Oh, ta gueule, Wallon, c'est dégueulasse. En fait, je suis même sûr que tu sais même pas de quoi on parle, en fait, là. Flou, il sait de quoi je parle. Toi, tu sais pas. Ah. Oh, comment tu parles, là? Mec, tu ne sais même pas de quoi on parle, donc... Change de sujet, ça vaut mieux. Si t'as envie, tu reparles du saumon, si tu préfères. Mais là, change de sujet. Là, il y a les adultes dans la conversation qui comprendront ce que ça veut dire. Les autres, non. Oh, mais ta gueule. Ça, c'est clair. Oh, mais ta gueule. Mais change de sujet, parce que là, c'est juste gratuit, ouais, donc, ce que tu viens de alors, faire. Alors, saumon. Parlons peu, parlons saumon. D'ailleurs, j'étais le poissonnier hier. J'ai vu de le poissonnier. Ah, mais je suis vide, en fait. En fait, le mec, il déchaume depuis tantôt avec le bordel vide, tu vois. Non, non, ah mais toi, heureusement que j'étais rempli avant, tu vois. Ouais, mais à mon avis, Flo, tu vas être bientôt vide aussi, tu sais. Oh, moi, j'étais rempli déjà.
Ouais. Ah oui, synchronisation, synchronisation. Arrête de parler synchronisation, j'ai l'impression d'avoir cette phrase. Synchronisation des données avec les autres joueurs. 3 petits points. Joueur en attente. Ah joueur ouais. Oh, en putain, attente. Ça m'a saoulé. Et construction, je te jure. Hein. Mais plus jamais il y aura un épisode qui sortira sur ma chaîne. Ma chine, hein. Vu tous les bugs qu'il y a ce jeu, hein. Cool. Bah, je vais arrêter aussi parce que c'est vrai que le jeu m'emmerde. Déjà de 1, tu fais pas de vue. Et de 2, bah. Tu lag à mort. Et de 3, j'aime pas jouer à un jeu. Enfin, ça dépend. Moi ça m'a saoulé, le nombre de fois où tu dois passer énormément de temps pour ramasser des palettes ou quoi que ce soit. Mais même des fois t'as l'appel. Est-ce que tu perds pas ton temps là-dessus? Des fois t'as l'appel qui bug aussi. T'as vu quand tu creuses, t'as l'appel qui bug. J'ai vu en plus qu'ils ont sorti un DLC pour ce jeu-là, un DLC à 3 ou 4 euros pour une grue. Une grue 4 euros pour une grue super bien faite comme ils font les mods. Oh putain alors. Pour ah, une seule grue. D'accord. Ouais, c'est une vraie grue de chantier, tu vois. Oh, mais surtout, putain, grue, vu comment elles sont faites dans le jeu, bah chier. Oh là là. À tous les développeurs de construction, allez chier. Putain, j'ai l'impression que ma roue, elle est plate. C'est comme si on allait faire dans GTA San Andreas, tu sais, quand t'avais un code, les roues, elles se mettaient à plat, tu naviguais sur l'eau. Mais c'est la même chose avec le... Ah non, ça c'est... C'était Vice City. Vice City. Non, hein. Liberty City. Non. Vice Liberty City. Bah, je te dis. Hey, si tu veux, City. Vice City, ouais. Je veux te retrouver la botte, pas la boîte, hein. Sur ma PS2, la je l'avais. Mais quoi, je l'avais sur ma PS2, mec, je te promets. Non, c'est la boule qui va retrouver. J'avais Liberty City. Et pas Vice City. Bah, putain, mais je voulais retrouver la boîte, mais il va voir, hein, celui-là. Je sais, moi, je l'avais aussi, et ADR a l'air de l'avoir aussi. Ouais. Mais pourtant, City, moi, dans le Liberty City, ça marchait. Oh là là, il est là. Bah, en même temps, ouais, je suis là. Mais non, mais vas-y, continue parce que là, ça se décale un peu. Oh, t'inquiète. De toute façon, faut que je reprenne ici un peu. Bah, vas-y, mais il faut que tu prennes le bout que j'ai raté là. Hein. Attends. Chômeur, si t'es champion. Bah, Charu est à l'envers, mais bon, c'est pas. Putain, mais quel trou. Mais regarde comment il laboure. Bah voilà, ça te pose un problème. Pour un patron, qu'est-ce qu'il insulte blindé ses ouvriers quand même. Hein. J'avoue. Moi je dis on va faire une mutinerie, on va le pendre. J'ai dit quoi? J'ai dit putain regarde, t'as vu comment il a bourre. Oh. Bah voilà. On va l'attacher à la norme, on va lui balancer 2-3 bottes des caresses, et on va lui épandre la merde. Ah moi non, je sais où on pourrait l'attacher. Tu vois, tu l'attaches à l'arrière de la Zunameur et il va avoir toutes les effluves de lisier sur lui. Les effluves. Oh par contre, j'attaque. J'attaque le 137. Je suis en 37, ok, j'arrive. Bah non, les gars, faites où on a déjà fait ici. Ah ouais, non, ici, ça fait dégueulasse. En plus, la moitié du chose a été épandue. Bah non, ici où on est, non, hein. Je suis en 30. Ouais, je suis en 30 ici, vous allez faire le champ 30, les gars. Ah, 37, on a le temps, hein. Non, mais vous allez faire le champ 30, nous on l'a déjà labouré, on est déjà en train de labourer. Bah, vous avez pas fini, les gars, on va arriver quand vous aurez fini. Bah non, vous avez même pas fini les bords. Vous faites, non, vous faites. On va attendre la fin de vidéo, hein, si tu veux venir. On aura fini. C'est ça quoi. Venez maintenant, vous faites les bords. Avec une 4 socles et une 5 socles, on va pas aller vite. Vous faites les bords et puis bah ça, c'est réglé. Au pire, voilà, si tu veux qu'on avance plus vite, tu m'achètes une. Je t'achète rien du tout. Ouais, ouais. Tu m'achètes une. En fait, j'ai complètement oublié la marque. Ah, une. J'ai la marque de la charge. On va l'appeler Abraham Simpson. C'est qui arrive en face là avec son fel là? Tu sais, on a charrié partout, là, hein. Mais Flo il passe où on n'a pas charrié. Mais oui, c'est ça quoi, Flo, tu fais ça ou quoi? Vous avez dit qu'on passe là où c'est pas charrué, je pense que c'est pas charrué. Mais non, pour le champ 30. 31, mais pas pour le champ 30. Fais-le, ouais, après que t'aies fait cette allée là, fais où on a charrué. Ah, où on a labouré. Hop là. C'est pas logique. Ouais, c'est pas logique ce qu'on fait, hein, ça c'est vrai. Non, au début c'était pas logique, là c'est logique, on laboure et puis vous repassez un coup d'enfouisse. Hein. Ah, en fait, c'est pas très. Je t'avais dit, ouais, donc c'était pas très logique. Même si là c'est un petit peu logique, mais pas trop. Bon, on a pas le choix, on fait comme ça, et puis basta, c'est réglé le moment que ça fait. Il aurait fallu qu'on ait plus de monde autrement. Quoi. Ah, ouais. Mais bon. On avait pas plus de monde. Et ripé la connexion de Sticky. Arrêtez la petite dame que je viens d'écraser sous ma roue. À tous les abonnés qui veulent venir dans la conve, vous pouvez pas. Ah, dans les dents. Non, il se croit marrant, le petit Zé Gamer. Petit. Ouais, RIP la blague de Zé Gamer.
Elle répète son rire aussi. Aussi. T'es le mec, tu te croirais autant des dinosaures là. Ah, Jurassic. Ah, ah c'est lui qui a fait le tour. Ou alors c'est filmé ça. Je pense qu'il y en a qui vont en profiter. C'est filmé de mon côté aussi, ça va être un peu sur ma chaîne aussi. Donc, bah oui, mais je pense qu'il y en a qui vont en profiter. Justement, moi je vais la mettre sur ma chaîne en bêtisier avec une grosse tête de troll. Et bah voilà. T'es pas obligé de faire de la pub parce que du film, hein, tu sais, de toute façon. J'ai pas fait de la pub au long. Et avec un Simpson qui fera. Avant de la. Ah ah. On peut faire de la pub. Ah ah. Il te mettra un gros doigt dans le nez comme ça. Ah ah. Ah ah. Ça, t'as fini là? Déporte-toi un peu plus loin. C'est quoi ce bug là? C'est-à-dire que j'ai la roue qui est rentrée dans mon garde-boue? Ah bah voilà, il a pété la direction. Voilà. Et voilà, encore non, mais... le chef casse du matériel. La roue arrière, hein, je te promets. Hein, la roue arrière. Ah, mais je t'avais dit de pas lui laisser le classe, il sait pas la rouler. Ah, il voulait pas me le passer. Trop jeune encore pour rouler ça. Belle, ça roule. C'est la roue arrière en fait, il y a un bug là, je sais pas. Il a encore du lait dans les oreilles, que tu lui donnes un gros truc de 300 chevaux. T'aurais dû lui prendre le vélo. Du lait dans les oreilles de... Ouais, tu sais le vélo. Attends, du Uber là, tu sais, du vieux con. Ouais. T'aurais dû le donner. Oh putain, non. Bon, par contre, ADR, je viens de penser, on échangerait pas un peu? Non. Bah si. Attends, on va se croiser. Oh, j'en ai marre d'être Windows sur mon PC. Hein. Putain, heureusement que je filme pas avec Frappe. Hein. Oh là là. Pourquoi il filme ton Windows? Je sais pas, tout d'un coup, si j'ai retour Windows, j'ai sur mon tracteur, j'ai retour Windows. Tu sais pourquoi? Non, pas pourquoi. Ça vient de toi? Bah, non, ça vient de mon cul. Bah oui, bien évidemment que ça vient de moi. Bah arrête de faire des retours Windows. Mais lui, il comprend pas que j'en fais pas assez. Si. J'ai retour Windows comme ça t'est jamais arrivé à toi. Satisfaction. Et il est passé où? Moi, j'ai retour Windows quand il me dit que qu'il doit changer le jeu de couleur de je sais pas quoi de Windows 7. Alors que je fais bien à chaque fois ne plus afficher le message. En fait, mon Windows, il a pas stop de mémoire. Stop! Bah putain, il m'écrase en plus. Arrête! Alors, on est en désynchro parce que moi, je ne te vois pas, tu sais. Mais laisse-moi le jeter. Merci, Adair. Ah, je vais apprendre à labourer maintenant. Oh, bah tu vas voir, mon pote, tu vas en baver. Bah non, tu en baves pas parce que maintenant, on a déjà bien avancé. Mais... Ouais, mais il va glisser. Ah, mais vous adhérez à vous manier le cul, parce que nous on arrive. Ah, il a le mode labo, votre engin en plus. Ouais. Bah oui, c'est pour ça en fait qu'il y a eu un bug avec le mode labo. Qu'est-ce que c'est que ce labourage de forain là? Oh, mais comment c'est pas drôle? Qu'est-ce que c'est que ce labourage de forain? Putain, mais. Même à la fois, t'as pas du labour comme ça! Oh, bah, loin, il aborde pas trop, putain. Vache. Trop jeune encore, pas assez d'expérience. Faire couper là-dedans, parce que. Wake, wake. Ah, bah, Flo, là, on a pris le mal. J'arrive en face, ADR. Hein. Si tu reprends un plus haut, il y a déjà une rangée qui a commencé. Bah, voilà. Vas-y, continue. Voilà, voilà. Il voyait que tu puisses te dire qu'on tourne en rond, non? Il suffit qu'il prenne l'engin, et voilà, maman. Voilà. Ah, prendre l'engin. Il va tous les casser. Sérieusement, quand je regarde la ferme, je suis à peine à 10 FPS. Voilà. Non, mais parce que j'ai fait retour Windows tantôt à cause de ce Smertic. Là, il fait retour Windows comme pour rien ce qu'on a. Alors qu'avant, j'étais à 60. Hop là. Allez, c'est pas. Comment il a pas un chariot noir. Mais il glisse ce tracteur, putain, vous écoutez ou pas? Oh là. Bah oui, mais on dit quand même. La gratuité. Ouais, trop. Allez hop, deuxième voyage. Moi j'ai déjà. Mais non, on va dans l'autre sens, Andouille. Je sais pas, moi je te suis, hein. Et alors, si je m'agène dans la Somme, tu vas y aller, toi? Alors, dans la Somme, j'irai peut-être pas, mais dans la Meuse, ça dépend, tu payes combien? En plus, je lui laisse le truc et il part même pas. Patatorve, espèce de patate. Ouais, bah faut tourner en rond, hein, comme ça, ça tourne. Ouais, tu tournes en rond avec le charrue. Ah ouais, bien sûr. Bah oui. Va labourer avec Wallon, t'as raison. Mais non, mais moi j'ai tourné en rond parce que c'était pour pas me faire chier. Mais sinon, en réalité, tu tournes pas en rond. Hein. Ou alors, je sais pas comment tu labours, mec. Hein, mais tu labours trop bizarre. Hein. Bah si.
Tu tournes en rond en réalité. Bah, bon, tu commences au bout du champ et tu fais une rangée plus loin et tu tournes en haut. Non, tu te... chez moi on tourne pas en rond, mec, on fait des allers-retours, moi, hein, chez moi, je sais pas. Ouais, mais ça, tourner en rond, ça t'empêche de... Enfin, t'as pas tourné ta charrue, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, personnellement, par chez moi, il y a jamais quelqu'un qui a tourné en rond. Toujours, on fait des allers-retours tout le temps. Ah, c'est toujours allers-retours. Bah ouais, moi aussi. En même temps, c'est rare que les fermes, ils labourent à deux. C'est sûr. Aussi. C'est sûr. Ouais. À part quand ils font appel à une ETA ou des trucs comme ça, ouais, peut-être à la rigueur, mais. Sinon, je suis plein, je suis vide là. Même pas 52%. Mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce tracteur? Mais il est bien ce tracteur. Oh, mais tu rigoles ou quoi? Il laboure n'importe comment. Ouais, pour labourer. En fait, c'est la charrue. C'est la charrue qui déconne. Bon, c'est le jeu qui déconne. Ouais, c'est le jeu aussi, mais bon, après, j'en peux rien si Giants il a été chié quand il a inventé le jeu, mais bon, après, bon. En fait, il y a un employé, il a chié sur son clavier, il a ouvert Notepad, il a chié sur son clavier, et puis il a vu sur quelle touche ça appuyait. Et avec ça, ça a codé le jeu. Ah bah putain, il est codé comme le cul, ouais. En même temps, comment t'espères bien coder un jeu en chiant sur ton clavier? Il faut rester un minimum logique. Ah putain, l'impression que Minecraft est comme du codé. Minecraft, il est pas très compliqué à coder non plus. Ah bah farming non plus, hein. Ça va, c'est pas de bouger. Hein. Bah ok, bah... Va coder le jeu alors. Va coder Minecraft alors toi. Putain les gars, sérieux. Moi je sais pas, c'est peut-être pas coder un jeu, mais alors je sais pas. Si à fin nous prendre un jeu qui sort 4 mois après et qui soit bien. Là ça fait quand même déjà 7 mois que le jeu est sorti, on a eu 2 mises à jour. Ouais. Mais ils ont battu le record parce sur, que... sur un mois et demi. Ils se foutent pas le cul, hein. Bah, sur Farming 13, les mises à jour étaient pas plus rapprochées que ça. Ouais, hein. Si, on en a eu plus. Oh, non. On en a eu plus, hein. Et il y en a eu plus en même temps sur 2 ans. Là, on a un an et demi, ils sont arrivés à 2.1. Oui, à 2.1, d'accord. Mais là, on a attendu combien de temps avant d'avoir la 2.1? Ben, un an et demi. Ah, ben là, on est déjà à la 2.0. Hein. Oui, mais entre les deux, il y en a eu au moins 5 ou 6. Et par rapport à FS13, déjà, ils changent tout ce qui est au niveau de la synchronisation. Ça prend moins de ressources. Et tout ça, donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Bon, après, c'est clair qu'ils nous sortent de la merde. Ça, en même temps, ils peuvent pas se manier le cul au lieu de faire leur jeu console à la con. Là, ils savent pas nous sortir une mise à jour, non? Ah, tu prends là, ok. Hein? Je passe de l'autre côté. Oh là là, ça parle mal. Quoi? Hop. C'est Wallon, si t'aurais pas l'argent pour t'acheter un PC et que t'aurais qu'une console, bah tu dirais l'inverse. Non, j'ai jamais dit. J'ai dit, avec leur jeu console, ils auraient pu le reporter, peut-être, et sortir ou faire, je sais pas, quelque chose. En même temps, j'ai dit après qu'ils travaillaient sur le 2017 aussi. C'est logique. Bah non, ils travaillent sur plein de trucs en même temps. Ils ont qu'à sortir des mises à jour, se concentrer sur le 2015. Tu prends n'importe quelle marque de voiture. Quand ils sont en train de lancer un modèle, le modèle suivant, il est déjà en train d'être produit. Oui, enfin, alors... pas produit, mais il est déjà étudié. Mais on s'en fout, chez les voitures, il n'y a pas de mise à jour. Moi, je te parle d'un jeu. Ah non, il n'y a pas de mise à jour. Et les versions les versions 207, 207 plus, 207 HD. Ouais, mais bon, je sais pas pourquoi ils ne sortent pas les mises à jour plus souvent, mec. Sur construction, je sais pas quel jeu il bug, il en a eu au moins 8 sur ETS, il y en a quasiment une toutes les semaines. Bah faut la faire. Et faut la créer, les mises à jour. Bah ouais, bah alors ETS, pourquoi ETS il arrive et pas farming? Faut qu'on comprenne. ETS c'est pas pareil. Ils ont pas les mêmes moyens non plus, ça c'est vrai. Et quand tu penses, on peut déjà être content de ce qu'on a parce qu'ils sont que 12 à faire le jeu. J'avais dit qu'on était pas content. Ah, c'est vrai que le jeu est quand même complet. On va pas dire le contraire, le jeu est quand même complet. Sauf... Il y a des trucs. C'est vrai que s'ils nous auraient sorti tout le jeu mais sans tracteur, on aurait été dans la merde. Hein. Ah ouais. Devoir télécharger des mods, putain, les tracteurs et pouilles avec lesquels on aurait commencé. C'est les premiers mods, c'était pas la joie. Hein. Mais les tracteurs d'origine, moi je les aime. Ouais, ils sont bien, moi. Par rapport au 2013. Comparé à ceux du 13. Le Datsun pourri, là. Ah, le Datsun avec un chargeur avant, non, mais là. Dire que j'ai... Ah, il était minuscule, celui-là. Je suis à 15 images secondes, à part ça, je dirais. Il était minuscule, ce tracteur, un truc de ouf. Je suis censé tourner à 40. J'avais rien à faire avec. Bah, écoute, moi, sincèrement, sur mon PC portable, j'ai joué pendant... De juillet à décembre avec le sur la map d'origine sur le 13 avec les véhicules d'origine. Et par contre maintenant tu laisses plein de morceaux là. Ça. Ah bah putain, c'est la ligne, tu la vois pas
Bah, moi je vois pas le morceau ici, je suis en train de prendre le morceau là que j'ai laissé. Là, le morceau là, c'est à qui? C'est le chien. Je sais pas, moi je vois rien à part le morceau que je suis en train de faire ici. Tu vois jamais rien, toi t'es plein. Mais dis-moi où, sérieux, je vois rien. Bah, là où je suis. Attends, j'arrive. Oh, en fait, y'a rien à faire. Si tu veux labourer dans farming, il te faut une charrue, mais qui est pas directement attachée au relevage. Qui est. Mais c'est normal, Flo, que je laisse plein de boue là, c'est pour faire les fourrières après. Tu fais pas les fourrières pour commencer, tu les fais après les fourrières. Non, mais ça, contre... ça, je suis d'accord, mais quand t'as fini le morceau là, tu peux les faire. Ah oui. Ça va te faire du temps après. Le 1050, il est tellement gros que je charrue que dalle, parce qu'en fait, les roues elles prennent tout. Le blanc t'as laissé quand même. La charrue elle fait même pas la l'enfant du train. Il a pas laissé le noir non plus parce que... Ouh ça c'était raciste. Non je sais pas. Enfin j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à un propos raciste. J'ai dit il a pas laissé le noir parce que t'as dit il a pas laissé le blanc donc. T'aurais pu dire il a pas laissé de bleu mais non t'as dit noir. Bah oui parce que blanc et noir non, ça va quoi. Ensemble bordel de merde. Bleu et noir. Blanc et noir. Bah noir et noir et bleu maintenant allez. Ouais, toi, allez, ouais, toi t'as plus. Surtout une tête noire et bleue. Putain, je me suis fait une passette. Passette avec quoi, mec? Bah, je sais pas, avec mon G27. Pouah. Comment en t'as réussi déjà... En même temps, moi j'ai déjà fait pire avec mon G27. J'ai déjà fait. Ah, je sais plus. Oui, avec le cap, toi ton ouais, casque. Avec ça arrive, je sais presque déjà arrivé à tout le monde. Mais quand... ça a failli m'arriver une fois. Mais quand même, t'es le volant, il se bloquait, tu sais, j'ai l'impression que mon casque il allait lâcher. J'aurais pu jamais si vous parlez, en plus j'ai que ce casque là, j'ai pris un casque de ressort. Mon autre casque là, il est foutu en l'air. En fait, si tu veux, les câbles USB, ils étaient tellement gros que le fil il s'est déchiré. Donc je vous entends, le casque il est mort. Ont-ils acheté le casque ou pas? Non, il est quand même là. Putain, moi ça me rappelle un casque audio que j'avais eu. Putain, je l'avais gagné avec mon premier Samsung. Enfin, je l'avais pas gagné, c'était... C'était avec quoi, c'était une offre comme ça, si t'achetais le GSM, t'avais un casque. Moi j'étais content parce que le casque était super beau pour l'époque et en plus c'était une marque qui était à la mode entre guillemets à l'époque. C'était les Wesk, je sais pas si vous voyez les casques. Non. Ben putain, je m'en suis servi quelques fois. Et puis un jour, je l'avais sur mes oreilles, puis je le pose autour de mon cou parce que je parle avec quelqu'un. Je veux le remettre sur ma tête, j'entends cloc, puis je voyais, il y avait un écouteur qui enfin, ouais, c'était une moitié du casque qui bougeait dans son axe. Donc le truc était foutu. Et je sais plus qui m'avait engueulé en disant, bah, casque comme ça, comment est-ce que t'as réussi à le casser? Le casque, je l'ai démonté. Franchement, c'est du plastique de merde. Pourtant, un casque comme ça vaut 50 €. Hein. Bah, ça écoute, vaut pas les 50 €. Écoute, tu l'as. Bon, mon casque bah, que j'ai c'est là. Pas payé, mais dégoûté quand même, non, quoi. Le moi, casque, je m'en étais servi 2 ou 3 mois. Quand j'ai là, je l'ai payé 65 €. Mon casque que j'ai là. Je voulais le G400. Celui-ci m'a coûté, voulais... 4 euros. C'est vide au cochon, Flo ouais, c'est... Je sais pas, j'ai jamais été au cochon, quoi. Donc, moi, j'avais payé ça et. Ouais. J'avais payé 65 € pour ce casque que je vous parle, mais l'autre cas, je l'avais payé 45 €. Oh là là, il a tout déchaumé, il a même pas pulvérisé. Qui moi? Ouais. Je sais pas parce que j'avais enlevé la TH. Oh là là. Ouais, donc en fait, t'as. Tout à l'heure, il parle de moi parce que je cultive alors que je vide rien, alors que j'ai fait ça sur 6 mètres. Et lui, il a fait ça sur la moitié du champ. Ah, bravo. Mais non, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais. Tu as une tête de noir, toi, par contre. Hein. Mais non, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 52, ça va. Là. Non, par contre, y'a pas moyen d'avoir une autre charrue parce que celle-ci, c'est. Là, je me rappelle encore sur Bantico, c'est ça? Avec ouais. Clément, j'étendais du. Enfin, je labourais du saucisson. Non, c'était sur Sachiko. Ah ouais, sur Sachiko. Ah, sur Bantico aussi. Ah, mais c'était le bordel. Ah, c'était ouais, avec la grille virtuelle. Bah non, je sais plus si t'avais. Si, hein. Bah si, il y avait Flo, il y avait Bruno. Non, toi t'es pas là au moment où Bruno était. Bah non, c'était avant en fait. Il m'a dit juste, j'ai pas fait ça sur toute la longueur du champ, hein, j'ai fait une longueur de champ. Mais je sais pas, j'ai pas vu, je suis parti moi. Parce que moi aussi tout à l'heure j'étais à 75, maintenant je suis à 40. Oh là là. Tant moi qu'il y a des bons ouvriers, quand même. Oh merci de me féliciter comme ça. Ah non, je parlais de moi. Ah. Surtout que si tu te considères comme ouvrier alors que c'est toi le patron de la ferme, ah bah bravo Moré. Hein. Non,
Non, je disais super, j'ai retenu le mot super, jamais de théorie. Hein. Je pense que ça va aller mal. Voilà. Ouais, moi, je suis déjà. Tiens, d'ailleurs, les gars, j'ai commandé une bétaillère de 500 bêtes que tu peux mettre dedans, toute première génération qui vient de sortir. Là, un camion, il a 2000 chevaux pour tirer ça. Allez, ramener l'hélicoptère. en fait, ouais, tu vas vendre tes bœufs en hélicoptère. En fait, la mairie, ce qu'ils veulent faire, c'est créer un grand lac hein, pour faire venir une grosse péniche avec des remorqueurs, en fait, pour tirer la bétail. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est ce qu'ils disaient avant. Oh, voilà qui pleut chez moi. Oh putain, super. Il pleut chez toi, derrière. C'est vrai qu'avant, pour tirer des grosses poissons, on utilisait les péniches, c'est vrai, ça, putain. Merci ouais. De me répondre, c'est toujours sympa. Mais je sais pas, tu disais quoi? Je te demandais s'il pleuvait chez toi. Non. Putain, je sais pas, il drache là. Ah, c'est bon, là, on est en synchro, voilà. Tu crois franchement que les abonnés sont concernés par le temps qu'il fait chez toi, en fait? Ouais. Non, mais j'avais, je pensais qu'il pleuvait chez toi, vu qu'on habite pas à 10 000 km de différence. Là, j'entends un tracteur qui ronronne derrière et ça se rapproche. Allez, sa mère, putain, je suis coincé en train de piquer. Passe un coup le fun pour voir. Ah ben non, qu'il va avoir son classe enfin, celui-là. Celui-là. Ah oh, ouais, j'ai pas envie d'avoir son classe, moi. Bah, tantôt, tu râlais, tu étais prêt à pleurer pour voir le cave. En fait, là, ouais, c'est vrai qu'on en sait un gros niveau des charrues et de bordel. Tu me le rends, mon fan? Bah, non, tu m'as donné. T'es. Gratuité. Et ton fan, il bouge avec la charrue ou pas du tout? Il me répondra pas. Hein. Mais le temps qui voilà. Mon quoi. Fen. Le temps que la foule monte au cerveau. Le temps qu'il ait fini de regarder Bob l'éponge, voilà quoi. Bob l'éponge. Mais wallon, ta gueule, tu regardes Dora donc. Ah. Oh. Bah tout. Eh ben ouais. Bon, alors, réponds à ma question, Blaise. Quoi? Mais il a pas retenu ta question. Oh putain, le bordel, comment ça. Le circuit était tellement long pour. Long, lui, il a 6 km de fil dans son. Dans son temps, tu vois. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que ton deuxième écran qui a des mauvaises connectiques. Ah, t'es pas mal celle-là. Oh putain. Et c'est vrai en plus. Je regarde Dora l'exploratrice. Hein. L'exploratrice. Exploratrice. Non, pas la séductrice. Hein. Finalement, on aurait pu tourner la campagne des 4 fermes maintenant. Si elle. Bah, parce que. Flo est là. Mais si elle comment ça s'appelle ça? Si elle est séduisante, il faut que tu m'appelles pour ça hein, parce que oh, putain, si Dora l'exploratrice est séduisante, ben moi je vais me plaindre à Nickelodeon. Pourquoi on devrait se plaindre à Nickelodeon? Parce qu'un personnage des années. Parce que Dora passe. Ah, mais non, c'est peut-être pas ça. On va lever le. Ah, ouais, mais en France, je connaissais pas Nickelodeon. Je sais pas ça en France. Je connais Nicolas Hulot, mais. Non, ils l'ont. C'est une chaîne française, hein, Nickelodeon. Ouais, ah, non. Attends. Bah, il me semble, si, ouais, c'est français. Enfin, bon. Non, la chaîne même, c'est américain, mais il y a une chaîne française. On m'explique pourquoi il y a des petites taches qu'on déchauffe, enfin qu'on passe le truc. C'est le lisier. Par contre, moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, je sais pas s'ils le font encore, hein. Mais à un certain moment, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des montages entre certains dessins animés, tu comprenais pas ce que c'était. C'est au moment des pubs, là. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, Wallon? Ouais, je vois, t'sais, ouais, c'est des trucs, ça n'avait ni queue ni tête, tu comprenais rien du tout à ce truc-là. Ouais, tu comprenais rien en fait, mais c'est un chouchou. C'est le même qu'au cinéma. Bah, quand j'ai re-été voir Fast and Furious 7 au cinéma mercredi. Ah, d'accord, j'ai vendu ça finalement alors. Ouais, et le bordel, il était censé commencer à 14h15, il a commencé à 14h45. Alors, t'avais 6 millions de pubs, c'était pareil que les dessins animés, ça se combinait entre eux, mais tu comprenais rien. Ah oui, T'as été le voir où le film? À Imagimonte. Non, pas Imagimonte, ça va mettre des tickets à autre part. Comment ça s'appelle encore? Non, mais je réfléchis après. C'est. On voit où? Allez, ça fume, où ça fume jusqu'ici. Allez, ça quelle ville? Bordel de la merde. Ça quelle ville? Ouais, ils font du bon boudin là-bas. Je réfléchis. Il y en a un pour retenir les blagues, ça va plus vite, je trouve. Moi, je sais plus où j'ai été.
Je sais plus. On va lever le point. Bon, moi, c'est une bonne vidéo, en tout cas, pour moi, j'arrête. Ouais, ouais, mais les gars, Flo, ils sont encore bien, là, parce que là, il est en train d'atomiser. Vous savez pas si... s'il y a quelque... Ça chauffe, si ça brûle. C'est chaud, ça brûle. Bon, mais les amis, nous aussi, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. J'espère sans live. Chaud, allez, salut tout le monde. Salut à tout le monde. Salut, ça brûle. C'est chaud, ça brûle. Salut à tous.